Mais faites-le taire ! Faites-le taire avec Tom Villa. Bonjour Tom. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Et aujourd'hui, vous vouliez vous adresser à Yves Leroland et Sandrine Alexis. Bonjour Yves, bonjour Sandrine. Bonjour Tom. Alors Yves, vous étiez venu au mois de juin dans le grand direct des médias et vous aviez expliqué à l'époque que les Guignols n'étaient pas le bras armé de Canal+. Alors moi, par contre, je vous le dis, je suis le bras armé de Jean-Marc. Voilà. Enfin, armé. Vous avez vu mon physique, a priori, je suis plus un Opinel. Allez-y Jean-Marc, donnez-moi une cible. Ah, tiens, Enora Malagré. Enora Malagré, elle parle fort quand même. Voilà, je vous avais prévenu, un Opinel. Ah oui, ça c'est sûr. Oui. Alors, je me retourne vers Sandrine, imitateur. C'est vrai que vous devez tout imitatrice, savoir. Imitatrice, attention. Non, attention. Imitateur, regardez. Le métier. Hop, oui, j'avais vu. Il y a vu. Un peu de matériel. C'est... Je suis une fille. Exactement. Alors non, juste voilà, il y a des. Par exemple, je disais, il y a des hommes qui imitent des femmes. Mmh. Et vous, Sandrine, vous savez imiter des hommes. Vous faites super bien Nadine Morano. C'est très bien fait. Ah, et... Alors, ça te dérange, Polo? Non, mais il y a un truc qui est chiant. Je pense qu'on est imitateur ou imitatrice. C'est par exemple, t'es en soirée, tu te présentes, tu dis que t'es imitatrice et t'as toujours un con qui vient te voir, tu sais, qui pense avoir eu l'idée du siècle, qui te fait t'es imitatrice, vas-y, fais-nous Dani de Morano, tu vois, juste pour déconner. Mais c'est pénible parce que dans la vraie vie, jamais tu feras t'es maçon, coule-nous une dalle de béton, c'est ouais, trop con, juste pour déconner. Il y a la terrasse à refaire, voilà. Alors c'est le même mec qui revient à mon avis 5 minutes après qui veut faire un concours d'imitation avec toi. Dis, regarde, tu fais super bien Jacques Chirac, écoute, voilà, ce qu'il pense être meilleur que toi dans ton métier. Tiens, d'ailleurs, Tom, j'en profite, puisqu'il y a le patron des Guignols qui est avec nous, oui. Vous avez une imitation que vous tenez bien, c'est Nikos. Oui, non, enfin, ça me gêne, Jean-Marc. Non, mais allez-y. Non, ça me gêne. Non, ça me gêne. Non, bah, allez-y. Non, mais pourquoi vous insistez comme ça? Parce que c'est écrit sur le texte que vous m'avez donné. Voilà, allez, 3-4. Salut, hello, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, seigneurs et señoritas, salakis et salakos. Bonjour, mon Julie, bonjour, ma Jean-Marc, hashtag croisons-les. Aujourd'hui, sur Europe 1, nous recevons dans ce studio un homme de poigne. Il est à la tête de près de 500 marionnettes, c'est le patron des Guignols. Je parle de Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale. Et nous accueillerons également une femme d'exception, une femme à la fois douce et féline, elle a près de 1000 voix à son actif. C'est Eva Joly. Et oui, 1000 voix, c'est tout ce qu'elle a fait à la dernière présidentielle. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, Yves Sandrine, merci de nous faire rigoler depuis 26 ans avec une régularité qui force le respect. A ciao, bonne journée. Merci, merci beaucoup, Tom Villa. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.